Célébrée par de nombreux artistes, la tenture de la dame à la licorne fascine, d'autant plus que son histoire, comme son sens, demeure voilée. La femme représentée reste un mystère, même si les armoiries laissent à penser qu'elle appartiendrait à la famille des levistes à Lyon. Le dessin, proche du style de Jean d'Ypres, et le style dit « mille fleurs » permettent néanmoins de dater son origine vers 1500. Depuis sa redécouverte en 1814, beaucoup de spécialistes ont tenté d'interpréter la série. L'hypothèse la plus répandue aujourd'hui reste celle avancée en 1921 par Albert Frank Kendrick. Les tapisseries seraient des allégories des cinq sens, la sixième faisant néanmoins encore débat. Pourtant, on peut également les comprendre, non pas comme une série de pièces distinctes, mais comme une histoire en images, hautement symbolique. Pour la saisir, il nous faut tout d'abord changer de regard. La pensée médiévale n'oppose pas les choses. Réel et merveilleux cohabitent. Homme et univers correspondent. Monde matériel et monde spirituel sont liés. La vie, simple étape, prépare au salut de l'âme. C'est pourquoi, par son essence, les qualités qui lui sont attribuées, toute chose ici-bas peut, par analogie, nous aider à comprendre les mystères de l'au-delà. La nature est un miroir qui reflète les vérités cachées. L'art, comme elle, recourt au symbolisme pour les exprimer. Une image peut en conséquence toujours se lire dans des sens multiples. Cette vision hermétique du monde et de l'homme se reflète dans la tenture de la dame à la licorne. Tout dans ce qu'on nous montre à voir est porteur de sens, mais rien ne se résume jamais à la simple chose qu'il représente. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est à l'extérieur comme ce qui est à l'intérieur. La symbolique des fleurs, des arbres, celle du bestiaire, des objets, des parures ou encore des couleurs opèrent tels des langages nous permettant de percevoir l'histoire qui se trame, celle d'une noble dame qui s'initie au mystère afin de célébrer ses noces sacrées avec le ciel.